La Côte d'Ivoire affrontera ce vendredi 2 février prochain le Ghana à Cape Coast. Cette rencontre est relative au match aller des éliminatoires de la CAN Futsal 2024. Nous avons assisté aux préparatifs des éléphants futsaleurs avant leur départ pour le Ghana. Selon le coach, son équipe a les armes pour se qualifier. Quant aux joueurs, ils se disent prêts à affronter tous les adversaires afin de ramener la coupe à la maison. Aujourd'hui, c'est notre dernière préparation à Abidjan, avant le match aller contre le Ghana. Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes, et nous demandons aussi le soutien des supporters car c'est le maillot ivoirien que nous défendons. C'est une équipe dynamique que nous avons pu voir. Le vice-président de la commission est confiant et souhaite faire redécouvrir aux Ivoiriens ce sport à travers cette compétition. Aujourd'hui, l'état d'esprit, c'est de pouvoir redémarrer les choses, redémarrer le championnat en Côte d'Ivoire. Et bien entendu, quand on part comme ça avec une sélection pour les éliminatoires dans un championnat d'Afrique, bien entendu, on part avec beaucoup d'espoir de pouvoir se qualifier. Parce que quand bien même, on part de loin, mais en même temps, il y a des prérequis. Il y a une base sur laquelle nous pouvons compter qui va nous permettre de nous qualifier déjà dans un premier temps pour les phases finales. Organisée par la CAF tous les 4 ans, la compétition se jouera au Maroc, détenteur du titre 2020. Après ces matchs aller, qui se dérouleront les 2,3 et 4 février et les matchs retour les 9,10 et 11 février prochains, les 5 nations vainqueurs de leur confrontation participeront à la phase finale et affronteront le Maroc, l'Angola et l'Égypte.